Comment ça se fait, Will, que j'ai un zombie dans mon appartement et que ce zombie, c'est moi? Non mais de suite, qui te dit que c'est moi? Écoute, je viens de me regarder et je vois quelques ressemblances. C'est-à-dire, t'as des symptômes? Des symptômes, déséquilibre, course rapide, gros appétit. D'ailleurs, t'as mangé quoi dernièrement? Du foie de mouton. Il était cuit? Je sais plus. C'était cru, Mo. Bah peut-être. Eh ben ça a marché. Non mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce délire? Mais tu m'écoutes jamais, c'est ce que je dis pourtant tout le temps. Je propage le virus du cinoche et du love. Mais je veux pas de ton love, Will. Je veux pas de ton love. Je respire même pas, putain. J'ai pas de pouls, Will. Je crois que je vais faire une crise de panique. Mais t'inquiète pas, Mo, on vit très bien avec. Et puis je vais te dire un truc, hein, tant que tu transpires pas du sang, c'est que le virus est inoffensif sur toi. Mo? Alors non, ne panique pas! On ne panique pas! On ne cède pas à la panique! Mo, si tu veux te débarrasser de tout ça, t'as juste à parler d'un film d'horreur histoire de propager le virus à quelqu'un d'autre. Même si... moi, je trouve que ça te va plutôt pas mal. Beau gosse! Deadwill, faut que t'arrêtes tes concepts, là. Bah, c'était un cadeau! Faut que t'arrêtes tes cadeaux! Halloween! Sacrément paradoxal comme jour, hein. Jour de recueillement pour certains, pour tous les amis partis trop tôt. Alors que pour d'autres... Let's party! DJ Toussaint spécial deuil. Deuil Night! Avec hammam, sauna et embaumage gratuit. Aussi disponible pour les suicides et l'euthanasie. Et pour enfin... réveiller ses plus jeunes membres. Halloween, c'est le jour où j'agis comme un homme sénile de 80 ans. Sortez de mon cheptel! Bah dis donc, t'es chaud en fait! Ah ouais, je déconne pas moi. Un film pour Halloween? Bah je pourrais vous conseiller des classiques, des valeurs sûres. Mais non! Là je vais vous conseiller un film à partager, à regarder à plusieurs parce qu'on ne le fait plus trop souvent maintenant. Un film qui va vous faire du bien. Je veux bien entendu parler de... The Belko Experiment. L'histoire vite fait. Au Mexique, dans l'entreprise Belko, une voix interpelle les salariés. S'ils ne s'entretuent pas à intervalles de temps réguliers, ils mourront à l'aide d'un dispositif explosif placé dans leur tête. Battle Royale, voilà. C'est la première chose que vous allez vous dire. Ils ont pris le concept de Battle Royale! Être dans un espace limité, devoir s'entretuer sous la menace d'une haute autorité, on peut citer les gladiateurs, hein, et dans ce cas-là, je peux vous citer Spartacus, le film de 1960. Alors, Battle Royale qui invente un concept... Ouais, enfin, Requiem de Giuseppe Verdi est quand même utilisé dans la bande-annonce de Belko Experiment, comme dans celle de Battle Royale. Ah! L'entreprise est donc verrouillée avec tous les salariés à l'intérieur. Bah oui, parce que sinon... Si vous ne vous entretuez pas, vous mourrez tous. Bah autant me tuer maintenant. Pardon? Autant me tuer maintenant. Je suis en auto-entreprise. Attends, mais t'imagines? T'es paisible au travail, et si tu tues pas ton boss qui t'embête depuis plus de 2 mois, tu meurs. Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par tuer le patron. Parce que, ah mince, le patron, c'est moi. Non, mais calmez-vous. Vous restez assis, là. Calmez-vous, n'approchez pas. Ce qui est cool dans ces concepts au niveau scénaristique, c'est que t'as rien à justifier. Et tu peux dire ce que tu veux. Nous menons cette expérience pour la science. Nous menons cette expérience pour le plaisir. Nous menons cette expérience parce que... ça passe. Et malgré les uniformes, les cravates, les cols blancs, les cols bleus... À la fin... c'est chacun pour sa pomme. Dès le début du film, version espagnole de How Will Survive, on t'annonce directement la couleur. The Belko Experiment t'invite vraiment dans une expérience sociale dans le milieu du travail. Avec le boss dominant, le comptable qui est super fuyard, la belle gosse de la société, le mec qui va la harceler au travail. Ça nous fera plus de viande à manger. Exactement. Oh, je suis en train de devenir comme toi, Will. Puis tu as Sean Gunn. Rien que ces scènes, c'est un film à lui seul. Comment il va vous faire délirer celui-là? C'est à ce moment que tu ressens la James Gunn touch, quoi. Le côté gore du film ne nous empêche pas de bien se marrer. Et tu as une richesse de talents d'acteurs issus pour la plupart de séries. Et tous les figurants participent à cette mise en scène et à cette ambiance tout aussi marrante que stressante quand même. Attends, regardez ce film entre potes, entre collègues, si vous vous aimez. Parce qu'il vaut la peine d'être partagé. Et je vous assure qu'à chaque instant du film, vous vous imaginerez qu'est-ce que vous ferez dans la même situation. Même si après, on sait qu'il n'y a pas vraiment de suspense. On sait également qui va survivre à la fin du film. Mais j'en suis sûr que vous serez indulgent. Parce qu'au départ, c'est juste un battle royale au bureau.
Merci Will de m'avoir accompagné dans cette vidéo et aussi de m'avoir partagé ton expérience. Oh mais avec grand plaisir Mo, et merci à toi de m'avoir invité et merci de m'accompagner pour l'éternité maintenant. Sinon, on se suit sur les réseaux et d'ici là, n'oubliez pas que pour survivre, il faut bouffer la place du milieu de la culture. Alors on dit et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. À très très vite les survivants. Love. Non 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 non, Will, tu pars pas hein. Tu m'avais promis que tu m'enlèverais tout ça, hein. Will. Allez, Will. Fini de jouer, là. Allez, Will. Montre-toi. Will. Tu es où ?